Dès le 13 septembre 2023, Laurent Lafitte sera à l'affiche de la série Tapie dans laquelle il incarne Bernard Tapie. Pour ce rôle, l'acteur a dû suivre un régime spécial. Si est-il la série de la rentrée? Le 13 septembre 2023, l'histoire du géant du streaming au logo rouge sera marquée par la mini-série Tapie. La fiction biographique sur la vie de Bernard Tapie ne plaît pas à tout le monde, si est-il le cas de Laurent Tapie, le fils de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille décédé à l'âge de 78 ans le 3 octobre 2021, qui reproche à Netflix de s'être trop éloigné de la réalité. Pourtant, la vie de Bernard Tapie interroge, inspire et même intrigue, assez pour être retracée en 7 épisodes. Dans cette série biopic signée Tristan Seguela et Olivier Demangel, on découvre l'ambition qui a poussé Bernard Tapie à devenir l'homme qu'il est devenu entre les années 60 et 90. Et pour l'incarner, qui d'autre que Laurent Lafitte? La métamorphose de Laurent Lafitte pour le rôle de Bernard Tapie. Pour se glisser dans la peau de Bernard Tapie, Laurent Lafitte s'est presque métamorphosé, sans tomber dans la caricature, « J'ai créé ma version de Bernard Tapie. Je n'ai pas travaillé à partir d'archives. Je n'ai pas enregistré ma voix pour qu'elle soit parfaitement comme la sienne. Je n'ai pas été dans l'imitation », avait confié l'acteur à Télé Loisirs à propos de ce rôle. Il a donc créé sa propre version de l'homme d'affaires, à part la coiffure et le look, qu'il lui a emprunté. Je suis parti de tout ce qui avait infusé en moi depuis mon enfance. Dans l'attitude, la voix, la gouaille, l'énergie, c'est mon ressenti. Si est-il mon Bernard Tapie, avait-il conclu. Invité dans cet aveu, ce mardi 12 septembre, Laurent Lafitte a de nouveau évoqué son changement d'apparence pour devenir Bernard Tapie, cette fois-ci concernant son poids. Pour incarner Bernard Tapie, Laurent Lafitte a dû perdre puis prendre du poids. Si est-il Anne-Elisabeth Lemoine qui a lancé le sujet. Elle a interrogé l'acteur sur sa perte et prise de poids pour enfiler le costume de Bernard Tapie. Il y avait des rendez-vous visuels que j'étais obligé d'honorer parce qu'on a tous en tête une image de Bernard Tapie. Donc il fallait qu'il y ait un minimum de ressemblance, a-t-il dit pour justifier le régime qui lui a été imposé. J'ai perdu du poids pour la première partie, parce qu'on commençait à 25 ans, donc il avait une silhouette assez svelte, a-t-il commencé par raconter avant d'aborder ensuite sa prise de poids, et puis il s'était un petit peu empâté en prenant de l'âge. On a eu une pause d'un peu plus d'un mois pour que je puisse prendre du poids. Pour mettre un terme à la conversation, il a plaisanté, ça va très vite, avant de révéler que son régime était principalement constitué de pizza et de glace.